C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver dans votre rendez-vous d'information L'Afrique en mouvement. Le point de l'actu et le best-of sont les principaux axes de cette émission. Bienvenue à tous sur Midi 1 TV Afrique. Nous ouvrons cette émission au Maroc où la princesse Lala Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, a présidé au palais Baïa à Marrakech la cérémonie de célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La déclaration de Marrakech 2020 a été présentée avant que l'état d'engagement relatif à cette déclaration soit signé. La signature de la déclaration de Marrakech constitue un ensemble d'engagements des départements concernés par la question de la violence à l'égard des femmes. Le prix Lala Meriem de l'innovation et de l'excellence a par la suite été présenté. Ce prix vise à récompenser les meilleures initiatives de jeunes femmes de 20 à 40 ans issues du milieu rural et périurbain provenant des 12 régions du Maroc. Autre présentation, celle des bourses Lala Meriem pour les collégiennes et les bachelières. Cette initiative, lancée par l'Union nationale des femmes du Maroc, a pour but de soutenir les jeunes filles issues des milieux défavorisés et périurbains en vue de lutter contre la déperdition scolaire et les encourager à poursuivre leurs études supérieures. Direction Kenitra, dans la troisième base des forces armées royales, à la rencontre des femmes qui occupent des postes techniques dans la maintenance des avions militaires. Portrait de deux d'entre elles, commenté par Anissa Raoult. Avec pugnacité et détermination, c'est ainsi que les femmes marocaines jouent leur rôle dans l'armée. Le capitaine Sana Amari est l'une d'entre elles. Elle combine des compétences scientifiques et de leadership. Elle dirige un atelier technique qui rassemble plus d'hommes que de femmes. Il s'agit de l'atelier de maintenance des avions de la 3e base aérienne des Forces armées royales de Kenitra. Le métier de la maintenance des avions dans le milieu militaire n'est pas forcément un métier d'homme. C'est aussi un métier que les femmes peuvent très bien faire. Tous les rôles qui concernent le métier sont aussi tenus par des femmes, soit les ingénieurs, soit les techniciens. La femme peut même trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Il est aussi possible pour les femmes d'occuper des postes de direction des équipes militaires. Après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur d'État de la Royal Air Force School, dans le domaine de la mécanique aéronautique, elle exerce dans son domaine de prédilection. Elle est devenue la première femme à diriger une équipe de maintenance des avions. Chef du département des services techniques durant 4 ans, Sana Amari est désormais à la tête du service qualité, contrôle et suivi. Une responsabilité qui ne pose aucun problème à ses collègues hommes. La maintenance des avions séduit de plus en plus de femmes marocaines. Outre le capitaine Amari, le lieutenant Amir Achadad est l'un des membres les plus brillants de l'équipe. C'est avec assurance que cet ingénieur guide l'équipe de maintenance. Les femmes dans les forces armées royales prouvent qu'elles ont les mêmes capacités et compétences que les hommes, et cela nous rend très fiers d'appartenir à ce domaine de compétences. Le lieutenant Amira et le capitaine Sana sont des exemples de persévérance, à l'image de toutes les femmes en charge de la base de Kenitra. Au Mali, la cérémonie officielle de la Journée internationale des droits de la femme a été annulée pour éviter tout risque de contamination du coronavirus. Mais des associations ont par contre organisé des rencontres restreintes. C'est le cas de l'ONG DUCO qui a mis l'accent sur la scolarisation des jeunes filles. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko. Nous ne voulons plus voir des discriminations à l'égard de la femme. Oui, si on regarde bien, l'homme et la femme travaillent sous un soleil accablant. Alors pourquoi ne pas donner aux deux les mêmes salaires? C'est sur ces notes de revendication des mêmes droits pour les femmes et les hommes que l'ONG espagnole EDUCO a célébré la Journée internationale de la femme. Occasion pour elle de partager les résultats de son projet « Accès et maintien des jeunes filles à l'école » qui a permis en 4 ans de relever sensiblement le nombre de filles qui passent du primaire au secondaire. Au jour d'aujourd'hui, 2082 filles ont bénéficié de ce projet avec 70% de taux de réussite pour les examens. Un résultat qui a été aussi possible grâce au soutien accordé aux mères des filles afin qu'elles entreprennent des activités génératrices de revenus. Le panel intergénérationnel a permis aux jeunes filles elles-mêmes de dire ce qu'elles font pour le respect de leurs droits.
Vous savez, au Mali, une fille peut se marier à l'âge de 15 ans avec le consentement des parents, alors que la CEDE que le Mali a ratifiée et même la CADBI, en fait, disent qu'on est enfant jusqu'à 18 ans. Et déjà, donc, jusqu'à 18 ans, on est encore enfant. Donc, nous essayons avec ce plaidoyer-là d'amener nos autorités à harmoniser les textes. Le 8 mars, coïncidant avec l'ouverture de la campagne pour les élections législatives, les autorités maliennes estiment que le nombre de femmes sur les listes électorales témoigne des avancées notables dans le respect de leurs droits. Sur une liste d'élection, s'il y a 3 candidats, il faut qu'il y ait un élément, une femme dans, ou bien 2 femmes. Ça, c'est respecter les 30%. La préoccupation des femmes est prise en compte, quoi. L'ONG Educo et ses partenaires espèrent faire du respect des droits de la femme malienne une réalité d'ici quelques années. Il s'agit d'un établissement public placé sous la tutelle administrative du ministère de la Santé. L'Institut Pasteur à Casablanca est l'un de ces établissements mobilisés contre la propagation du nouveau coronavirus. Younes Benzineb pour les détails. À l'Institut Pasteur de Casablanca, le personnel du laboratoire de virologie est sur le qui-vive depuis l'apparition du premier cas de coronavirus au Maroc. Notre présence dans cet établissement a coïncidé avec la réception des prélèvements d'un nouveau cas suspect. Pour les traiter, des mesures strictes sont à respecter. Dès qu'il y a un cas suspect, les autorités sanitaires nous alertent. Et ensuite, on réceptionne le prélèvement et on procède à ce qu'on appelle une réaction de PCR, c'est-à-dire la détection du génome du virus, pour qu'on puisse confirmer la présence de ce gène du virus. Notre équipe est mobilisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à toute demande éventuelle. Et le résultat est donné entre 3 et 5 heures selon les cas. Le processus de diagnostic virologique passe par des étapes très délicates, sollicitant des appareils de pointe. Une mission qui fait de ce laboratoire la pierre angulaire de la lutte contre l'épidémie dans le royaume. À partir du début de l'épidémie en Chine, donc notre laboratoire s'est préparé pour pouvoir répondre à toute demande du ministère de la Santé, pour pouvoir confirmer les cas suspects et voir si ces cas sont porteurs du virus SARS coronavirus 2 ou bien de la maladie Covid-19. Donc, grâce aux collaborations internationales dont nous disposons à l'Institut Pasteur, on a pu acquérir rapidement, depuis le mois de janvier, tout ce qu'il nous faut pour faire la détection et la confirmation des cas suspects. Aujourd'hui, le laboratoire de l'Institut Pasteur est considéré comme une structure de référence selon les normes internationales. Outre les analyses biologiques, les champs d'activité de l'Institut Pasteur s'étendent aussi à la recherche scientifique, notamment pour la production de vaccins, mais également la sécurité alimentaire et celle de l'environnement. Sur le même sujet, au Sénégal, les autorités multiplient les campagnes de sensibilisation pour faire face à la propagation du coronavirus. Des rencontres avec les artistes sont ainsi organisées pour les impliquer dans les actions de sensibilisation contre le Covid-19, suivant ce reportage de Sirme Boukaka et Cheikh Ndao. Associer les acteurs culturels dans la lutte contre le Covid-19, telle est la nouvelle stratégie des autorités sénégalaises. Ces acteurs devraient communiquer avec un engagement et une participation communautaire forte. Dans le cadre de leur accompagnement, je suis sûr que les hommes du théâtre, les hommes du cinéma, les hommes du rire, tous aujourd'hui doivent être autour du ministère de la Santé pour vous accompagner en termes de prévention. Et je compte sur eux. Et je crois que ce monde de talent va vous prouver dans un avenir proche qu'ils sont tous autour de vous, autour de vos équipes, pour combattre l'ennemi commun que nous avons tous. Se laver les mains avec du savon antiseptique, manger sainement, sont entre autres mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires. Selon elles, sensibiliser les populations de façon simple serait une méthode efficace pour éviter la propagation de l'épidémie. Pour dissiper cette confusion, éviter les malentendus et la panique, il nous faut communiquer de façon claire, régulière. Cette communication efficace sera essentielle pour la surveillance, la notification des cas, le suivi des contacts et les soins aux malades. Elle doit se faire avec des messages adaptés au contexte local.
Le Sénégal a enregistré 4 cas positifs dont le premier a été déclaré guéri. Selon les autorités sénégalaises, 6 prélèvements ont été réalisés sur des cas suspects. Tous sont négatifs. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a assuré ce lundi qu'aucun nouveau cas de coronavirus n'a été recensé dans le pays, mais il reste tout de même vigilant face à la propagation de l'épidémie. Toujours au pays de la Tiranga, deux élèves âgés de 16 et 17 ans ont créé une canne intelligente pour non-voyants. Kenny Khan et Malik Fall ont été inspirés par la chute d'un non-voyant après avoir heurté un obstacle alors qu'ils étaient dans le bus de leur école. Jean-Paul Ondour et Sanoussi Sané. Smart Blind Stick ou MyWay. Voilà comment Kenny et Malik ont baptisé leur canne intelligente. Une canne qui surveille les signes vitaux et assure la géolocalisation de l'usager. La démonstration se passe dans la cour de l'école. On peut dire il a trébuché, il est tombé. Après, à partir de cette observation qu'on s'est dit que et si on ne faisait pas quelque chose pour aider cette personne à savoir s'il y a un obstacle devant lui à telle ou telle distance avant. C'est un système équipé d'un détecteur ultrasonique de distance. Maintenant, à partir d'une certaine distance, ça détecte les obstacles. Et ça émet un bip sonore pour avertir la personne atteinte de cécité qui a un obstacle devant elle et qu'elle devrait l'éviter. Leur professeur de mathématiques est très fier de ces stars. Malik Fall et Kenny. Bon, la fois passée, d'ailleurs, je l'ai taquiné ici parce que je l'ai vu à la télé. Et j'ai vu que vraiment, non seulement il s'active dans ce sens au niveau du robotique, mais aussi au niveau de. Des mathématiques. La directrice de l'école, elle, est bluffée par la performance XXL de ses élèves. Ça me surprend en fait de... Enfin, je n'ai pas pensé que ça allait jusqu'au créer quelque chose qui n'était pas encore inventé ou bien découvert. Malik Fall et Kenny Khan ont développé une amitié fructueuse en dehors de l'école. Si le non-voyant pique une crise cardiaque, le détecteur d'obstacles de 70 cm de la canne intelligente émet un signal aux services médicaux pour une intervention à la localisation exacte de la personne. Les deux virtuoses de la robotique sollicitent l'appui de toute organisation ou de tout mécène pour une production industrielle de leur Smart Blind Stick. Les prix de la volaille ont enregistré une baisse conséquente sur le marché marocain depuis quelques jours. La raison, l'offre dépasse largement la demande. Retrouvons Sana Yassari. Le prix de la volaille a fléchi. Le secteur avicole connaît une baisse significative dans les différentes régions du royaume. Concrètement, ici dans l'un des marchés typiques de Rabat, le prix au kilo varie entre 10 et 12 dirhams. Le secteur avicole connaît depuis 3 ans une baisse importante du prix. Cela est dû à une surproduction qui a commencé en 2017. Seulement cette baisse des prix s'est amorcée depuis le début de l'année 2020. Face à cette crise, plusieurs professionnels s'en plaignent, indiquant que la baisse des prix de la volaille leur a coûté des pertes colossales. La demande des volailles est très faible. Ça commence à être sérieux. Les éleveurs enregistrent des pertes énormes. C'est un peu confus. Le kilo se vend entre 10 et 11 dirhams. D'autres le vendent à 12 ou 13 dirhams. Les professionnels du secteur estiment que cette baisse est en mesure de les conduire à un véritable désastre. Ils considèrent qu'un grand nombre d'entre eux vont se retrouver dans l'incapacité de mener à bien les élevages avicoles, ce qui contribuera à une décroissance de l'offre des volailles durant la période à venir. La vannerie, un savoir artisanal marocain traditionnel, il repose sur des produits purement organiques, des végétaux avec lesquels on fabrique tapis, chaises et d'autres accessoires. On vous invite dans la commune de Sidi Taïbi, dans la province de Kénitra, à travers ce récit de Soul Jalil. Vannier, l'un des plus anciens métiers de l'humanité. Depuis la nuit des temps, l'homme a fabriqué des objets en osier, palmiers, joncs, roseaux et toute matière végétale. Dans le royaume, la main de l'artisan marocain a maîtrisé, raffiné et affiné cet art à travers les âges.
Résultat, un large éventail de créations telles que les paniers, cabas, corbeilles ainsi que les iconiques chapeaux, toute une panoplie de produits joignant l'utile au naturel. Je pratique ce métier depuis 50 ans. Je me rappelle que dès l'âge de 6 ans, je me suis attelé à cet art séculaire que je n'ai pas arrêté de pratiquer depuis. J'aime ce métier et j'aimerais qu'il puisse passer à la postérité. Quand j'ai besoin de tel ou tel accessoire chez moi, je viens toujours faire mes emplettes chez ces artisans traditionnels. Leur création me subjugue et excède en beauté les objets de plastique. C'est aussi une manière pour moi de participer à la pérennisation de cet art. Or, cet art séculaire tend à s'estomper, et pareillement à d'autres petits métiers de l'artisanat marocain, la vannerie est de nos jours confrontée aux crises économiques, à la concurrence et à la non-pérennisation de ses savoir-faire séculaires. Pour remédier à cette situation, les pouvoirs publics marocains ont mis sur pied un programme visant à préserver ce patrimoine culturel, et ce, en se concentrant essentiellement sur la transmission du savoir. En Côte d'Ivoire, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan a ouvert ses portes le 7 mars dernier. Durant une semaine, les professionnels du secteur culturel ont mis en valeur leur savoir-faire à travers différentes disciplines. Suivons notre reportage. Abidjan, capitale des arts et de la culture durant une semaine, la 11e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan mobilise des milliers d'artistes et de créateurs issus de plus de 40 pays. Abobo, l'une des communes en attraction, a accueilli samedi plus de 2000 danseurs pour la parade officielle de ce rendez-vous culturel. Avec une véritable diversité, chaque compagnie artistique a fait montre de son talent au grand bonheur des festivaliers. C'est une immense programmation, c'est très excitant et les Ivoiriens sont très, très, très gentils. J'entends présenter au public un passage d'une jeune Canadienne haïtienne qui n'a pas oublié les paroles des ancêtres. Et j'espère qu'en arrivant en Côte d'Ivoire, on peut voir que c'est encore là, c'est encore en nous. Et on a beaucoup de choses à dire, comment c'est important de rassembler les deux bouts. L'Afrique monte. Tel est le thème de la 11e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan qui a pour pays à l'honneur le Canada. À l'ouverture des festivités, le directeur du Conseil national des arts de ce pays a souligné que cette tribune permet de renforcer les liens culturels entre l'Afrique et les autres pays du monde. Les arts ont la capacité impressionnante de convoquer les gens à des conversations parfois difficiles, des conversations qui autrement ne seraient peut-être pas possibles. Des conversations nécessaires aux citoyens du monde entier pour envisager et construire un avenir meilleur pour toutes et tous. Pour le vice-président ivoirien, au-delà de l'aspect culturel, le MASA contribue au développement économique national. Nonobstant ces branches en difficulté et en crise, les secteurs culturels, et notamment ceux liés aux arts visuels, aux spectacles culturels se maintiennent ou connaissent une réelle croissance. Donc, il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle pour un festival comme le MASA. Le MASA, dénommé au départ le marché des arts et du spectacle africain, a été initié en 1993 par l'Agence intergouvernementale de la francophonie. Il se tient tous les deux ans et est devenu un rendez-vous artistique et culturel de dimension internationale. C'est au Mali que nous entamons la deuxième partie de ce rendez-vous d'information. Dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, des villages s'engagent à mettre fin au mariage précoce. Plusieurs stratégies sont donc mises en place pour la sensibilisation des populations rurales. Le reportage de Mohamed Danyoko. C'est pour mettre fin à cette souffrance vécue par des milliers de filles que certaines communes de la région de Sikasso ont décidé de mettre fin à la pratique du mariage des enfants dans leur localité. Le maire et les autorités coutumières de la commune rurale de Karangana, dans le cercle de Yoroso, sont réunis dans la salle du conseil de cercle pour poser un acte fort, celui de signer une convention d'abandon du mariage des enfants qui va s'appliquer sur les 216 km² de la superficie de la commune et profiter aux plus de 13 000 âmes qui y vivent.
L'abandon de la pratique du mariage des enfants permet l'éducation des filles et la santé des plus jeunes. Le chef de famille, le chef de village et le maire que je suis sommes tous gagnants. Cette convention de 12 articles met un accent particulier sur l'interdiction de tout mariage des jeunes filles avant l'âge de 16 ans, comme indiqué dans le code des personnes et de la famille. Une chance que n'a pas eu ce groupe de femmes du village de Karangana. Mariées très tôt, elles ont dû quitter les bancs de l'école et sont devenues dépendantes de leur mari. Une situation qu'elles essaient aujourd'hui de corriger grâce à l'association villageoise d'épargne et de crédit soutenue par Save Children. Avec ces outils, nous fabriquons beaucoup de variétés de savons, notamment solides et liquides. Après la fabrication, nous nous partageons les savons que nous vendons. Les recettes sont reversées dans la caisse de notre association. Grâce à ça, nous sommes autonomes financièrement. Il y a en gros 14 types d'activités économiques qui ont été identifiées. Il y a le maraîchage, il y a l'aviculture, il y a la coiffure, il y a même la restauration, il y a les activités de vente d'hiver, que ce soit des parures de femmes, des chaussures et autres choses qui sont là. Selon les localités, chaque localité, on a fait des appuis spécifiques en lien avec les AGR dans ce sens-là. De Karangana à Fama, en passant par Kléla, cette convention est accueillie par les femmes dans la joie et à juste titre. Et puis au Kenya, les femmes brisent le tabou du genre à travers la percussion. La percussionniste Kavisa Muntwa initie des sessions de formation pour les femmes qui souhaitent jouer au tambour. Les explications d'Anissa Arau. Assurée et enjouée, c'est ainsi que Matua joue de la percussion. Âgée de 31 ans, elle sait depuis toujours qu'elle a une relation particulière avec le tempo. Une relation qui l'a poussée à devenir la principale percussionniste du Kenya. Se faire un trou dans un milieu dominé par les hommes, quasi impossible. Loin de se décourager, Matua s'est libérée du regard de la société. Son nom de scène, percussionniste femelle. Retournant le stigmate, Matua fait un pied de nez au tabou limitant qui l'ont longtemps dissuadée de devenir percussionniste professionnelle. Partout en Afrique, il y a ce type de restrictions. Vous savez, au Kenya, c'est tabou pour les femmes de jouer du djembé. Il y a beaucoup de rituels et de cérémonies auxquelles les femmes ne sont pas autorisées à participer. J'ai donc dû trouver mon propre chemin et inventer mon propre récit. Je crois que c'est un moyen de changer les mentalités. La pugnacité de Matua a payé. Elle a donné des dizaines de concerts à l'international. En 2016, elle a même fait une tournée en Europe avec The Nile Project, un collectif de musiciens de centaines de pays qui se retrouvent sur les rives des plus grands fleuves du monde pour y donner des concerts. Femme inspirante, reconnue musicalement, Matua a même donné sa propre conférence TEDx en 2017. Son objectif, sensibiliser sur l'importance d'ouvrir l'enseignement du djembé et d'autres tambours aux jeunes filles. Malgré son succès, Matua se sent seule dans son rôle de batteuse kenyane. Pour pallier cette solitude, elle a décidé de créer un groupe de percussion composé uniquement de femmes. I request her to play with me because I think... C'est tout simplement génial. Les hommes prennent toute la place dans le métier. C'est agréable que l'on puisse enfin se sentir à notre place dans le monde sans être jugé. Je remercie Matua de nous avoir permis de nous réaliser de ce point de vue. Une des membres du groupe, Evelyn Gitina, l'affirme. En dehors du groupe de Matua, impossible de se réaliser musicalement. C'est la fin de l'Afrique en mouvement. Merci de votre fidélité à Midi 1 TV Afrique et très bonne suite des programmes sur nos antennes. À très bientôt.